Je vous souhaite du succès, même si je ne suis pas très optimiste. Moi, je représente le Parti démocrate chrétien. Sachez que les chrétiens vous soutiennent aussi, parce que votre combat n'est pas un combat seulement, c'est un combat des valeurs, un combat des libertés, et que j'espère vous obtiendrez gain de cause. En tout cas, j'appelle à M. Kubler pour qu'il revienne à la raison et qu'il essaye de au moins vous accorder ce qui a été convenu au départ. Je pense aussi à l'unification. Entre la situation des Palestiniens et la situation des amis, des frères de Ashraf. Alors, je fais un appel ici, avec vous, au Conseil de sécurité pour qu'il applique ses responsabilités vis-à-vis des habitants de Ashraf, du camp de Ashraf, qui ont été désarmés, qui ont accepté d'être désarmés et qui maintenant sont encerclés et risquent d'être éliminés par les forces irakiennes et iraniennes. Au revoir. Ashraf en sécurité, qui compte l'humanité. Ashraf en sécurité, qui compte l'humanité. Merci d'être là par ce froid, hein, aujourd'hui. Alors on est gâté, mais c'est pas le froid qui va vous empêcher de continuer la lutte, hein. Ce n'est pas le froid ni le vent, vous n'allez pas vous envoler. Il faut savoir que l'ONU, tant que le problème du camp d'Ashraf ne sera pas réglé, vous serez toujours là. Ça fait 286 jours que vous êtes en train de vous battre pour la liberté. Les résidents du camp d'Ashraf sont des opposants au régime criminel de Téhéran, donc c'est illogique. Donc l'ONU doit agir pour protéger les résidents du camp d'Ashraf. On ne veut pas que les familles soient mises en prison. Ce sont des gens honnêtes, des gens libres qui défendent la liberté. Iran, Ashraf, liberté, Iran, Ashraf, liberté.